Bonjour à tous, petite vidéo de step cardio. Si vous n'avez pas de step à la maison, vous pouvez utiliser une marche d'escalier ou un petit contre-pied. Voilà, on y va, un petit peu d'échauffement, on monte en cardio, la vidéo va durer à peu près une demi-heure. On y va? C'est parti, je mets la musique. Allez. Woo!
Non.
bas. Le jeu d'après. On va commencer par un step et on va dégager. Récupère tout le monde. Allez, on y va, step. Gauche, droite, et on dégage. Encore. V-step. Gauche, droite, gauche, droite, et on dégage. Encore. L'inverse. Montez droite, gauche, pardon. Droite, gauche. Droite, gauche et droite. Droite, gauche, droite, gauche encore. Droite, gauche et on y va. Droite, gauche, on ne fait plus qu'un. Dégage. Un. Et on remonte. Encore. Et je change, mes deux dégagés, deux jambes. Un. On y va, genoux.
Pique. Superman. Genou, talon, Superman. Devant. En haut. Encore. Vous allez monter sur votre step, emmener votre talon droit vers l'arrière et on descend le talon dans le vide. La jambe gauche est légèrement fléchie, je garde les épaules basses, je regarde loin devant. Plus vous allez descendre votre talon dans en direction du sol, plus vous allez sentir l'étirement, notamment dans le mollet. Donc à vous de gérer votre étirement. Et je change de jambe. Jambe gauche, jambe droite légèrement fléchie, talon en direction du sol. Et plus vous emmenez loin, plus on sent l'étirement. On garde toujours les épaules basses, on regarde toujours loin devant. Et on respire calmement. Très bien, on remonte, je me remets face à vous pour que vous voyez. Vous allez descendre du step, mettre votre talon gauche dessus, plier votre jambe gauche, venir prendre appui et emmener les fesses vers l'arrière. Ici, pas de dos arrondi, d'accord? Un dos plat étiré, nuque dans le prolongement. On garde les épaules basses et on ne descend pas la tête plus bas que le cœur. On respire toujours.
Inspirez, soufflez. Vous devez sentir l'étirement dans tout l'arrière de la jambe. Hein. On relâche tout doucement, on remonte et on change. Jambe gauche, talon gauche sur le step. Et je prends appui sur ma jambe droite. Plus je vais descendre les fesses vers le bas, plus je vais sentir l'étirement dans l'arrière de ma jambe. On descend, on garde la nuque dans le prolongement du dos, un dos étiré. On garde les épaules basses. Très bien, et on remonte tout doucement. Ici, je vais venir attraper et ramener mon genou à la poitrine. Je garde les épaules basses, je peux faire des petits cercles avec ma cheville dans un sens et dans un autre. Je regarde loin devant, je fixe un point, j'engage ma sangle abdominale. Et je relâche tout doucement. Je fais l'autre jambe. Je garde toujours les épaules basses, je regarde loin devant, une sangle abdominale engagée. Dans un sens et dans un autre. Et je relâche tout doucement. Très bien, on va finir par étirer le psoas. Donc vous allez venir mettre votre jambe droite devant, genou au-dessus de la cheville. Et on vient reculer le pied gauche jusqu'à sentir l'étirement ici sur le devant à l'intérieur de la cuisse. Je reste là, je prends appui sur ma jambe. Soit je reste ici, soit je peux basculer ventre sur cuisse et venir mettre mes mains de part et d'autre de mon pied. Par contre, attention, pas de tête vers le bas. Je garde ma nuque dans le prolongement de mon dos et j'étire mes cervicales. Vous devez toujours sentir l'étirement sur votre cuisse devant, plutôt vers l'intérieur. Si vous êtes là, remontez. On ramène la jambe et on change. Jambe gauche vers l'arrière. Je la fais glisser. Ici, genou au-dessus de la cheville. Je garde les épaules basses, je regarde loin devant. Ou éventuellement, je bascule le ventre sur cuisse. Et je garde ma nuque dans le prolongement de ma colonne. Et voilà, c'est terminé pour cette petite séance step cardio. J'espère que ça vous a plu. À très vite.